Avec le son, c'est mieux. Merci, bon. C'est le faux journal. C'est parti. C'est l'heure du faux journal. Stop. Non, j'ai pas la veste. C'est l'heure non, du faux journal. Non, mais elle est pas seins nus. Vous avez promis à l'antenne, Patrick. Allez, c'est l'heure du faux journal avec notre Camarou international. On est toujours heureux de le recevoir sur le plateau de la matinale. On est heureux. Bonjour, Camar. Bonjour. Comment ça va? Très bien. La grande forme? Oui. Ça a pas l'air, hein? Bonjour. Non, mais c'est que dès qu'il y a une gonzesse sur le plateau, Camar, il fait « Oui, bonjour. » Il fait le blond. Oui. Je suis comme sa sœur. Oui. Avec Camar, aujourd'hui, on va parler de la coupure d'EDM. Forcément, Camar, on va parler des médecins. On va parler d'air austral, mais on commence tout de suite, si vous êtes d'accord, avec le tourisme. Problème avec le tourisme. Exactement. La France a peur. La France va mal. La France voit du terrorisme partout. Donc, du coup, la France s'est adressée à ses ressortissants français. Alors, français, françaises, partout où vous retrouvez, dans chaque pays où vous retrouvez, au bout du monde, même bien sûr à Groenland, méfiez-vous de votre voisin, méfiez-vous des colis un peu suspects parce qu'il y a du terrorisme partout. Voilà, les Français sont les premières cibles aujourd'hui. À l'époque, on n'intéressait personne. Tous les pays du monde s'intéressaient qu'à notre vin rouge et le vin rosé et le vin blanc. Aujourd'hui, c'est le français tout court qui intéresse les gens, hein. Donc notamment les mecs avec des chapeaux et des barbes. Donc du coup, faites gaffe, parce que franchement, la France, ses ressortissants sont un peu partout, hein, vous avez compris. Par contre, vous autres français... De souche. Non, français de couleur, vous passerez inaperçu, hein, personne ne vous en veut. Hein, donc vous pouvez aller au Soudan, en Arabie Saoudite, un peu partout, ils vous prennent pour les leurs. Donc il n'y a pas de souci. Donc en même temps, 40 pays ont été sélectionnés. Donc dans ces 40 pays, attention, on se rapproche un peu des Comores. Et les Comores, il fait partie ouais, de la liste. Ouais. Donc du coup, on a vu les annulations. Hein. Moi j'ai un pote qui a des chambres d'hôtes. Là, il m'a dit, ouais, j'avais des Français, là, de Indre-et-Loire, là, ils ne viennent plus, hein. Parce qu'ils m'ont demandé, ouais, vous êtes musulman, là-bas? J'ai dit, ça dépend du moment, si c'est l'Aïd, oui. Si c'est Noël, non. Quand c'est l'Aïd, oui, on est tous musulmans, quand c'est Noël, tous à la messe, là. Donc, du coup, je leur ai dit, là, en ce moment, on se rapproche de dimanche, donc là, on est musulmans. Donc, ils m'ont dit, oh, annulation directe, messieurs, on ne viendra pas. Et surtout que... bien sûr, la France, l'État a dit, bon, en plus, on leur a envoyé 2 Syriens pour voir s'ils vont réagir par rapport au terrorisme. Ah non, ils les ont laissés passer. Ils n'ont pas réagi, ils les ont fait même rentrer sur un territoire français qui est Mayotte. Donc du coup, méfiez-vous des Français. Hein. Les Français sont de l'or blanche aujourd'hui. Allez, on enchaîne avec Air Austral et son nouvel avion. Oui, un Boeing 787 Dreamliner, apparemment on rêve. Hein. Mm. Ouais, ils sont en train de nous foutre un rêve. Dreamliner. Ouais. Ouais, ça, on est en train de rêver déjà. Bah oui. Mais on nous dit qu'avec cet avion-là, on pourrait peut-être même décoller avec notre piste. Ah bon? Ouais. Oui, on prend la piste avec nous. Ouais, parce que je pensais qu'ils nous restaient 1000 mètres. Non, avec ça, pour ça suffit. Décoller. Parce qu'on nous a dit, ce Boeing peut atterrir mais ne peut pas décoller. Mais qui c'est qui a dit ça comme ça avec cet accent encore? C'est le mec de Aerosal. Parce que, alors, dans ce cas, nous, on leur propose, si c'est un Boeing, vraiment, voilà, il faut faire un Boeing avec amerrissage et atterrissage. Donc, du coup, il décolle sur la Terre. Dès qu'il les 1000 mètres qui nous manquent, il rentre dans l'eau, il décolle. Donc voilà. Il passe à la face en S vers là-bas. Là, il aura bien sûr sa vitesse de croisière. Et là, bam. Et puis on est monté, on arrive en France. Mais par contre, moi je dis, Austral, vous êtes trop bons avec nous, les Maoré. Hein. Vous nous aimez, hein, j'adore. Parce que c'est vrai, il n'y a qu'à regarder, hein, bien sûr, vos publicités, tout ça. Là. Déjà, vous n'avez même pas pris une photo de Mayotte pour le coller dans votre avion. Et vous venez nous dire que, bien sûr, on allait vouloir nous foutre un Boeing 787. Gardez-le pour vous, on n'en veut pas. Donc, vous avez pris que des photos de La Réunion pour vous mettre vos avions, habiller vos avions, et nous, nos photos, nos maquis, nos baobabs, ne vous intéressent pas. Alors, dans ce cas, c'est bien beau de nous amener un beau Boeing 787, mais si c'est pour voir un billet à 5000 euros, on n'en veut pas. Hein. Mmh. On veut pas. Allez, on enchaîne avec les médecins. J'ai plutôt des bonnes nouvelles. 6 mois de salaire.
7 mois de salaire. Les mecs, déjà, ils avaient 40% d'indexation de salaire. Eh, mais moi, dis donc, oui, l'offre est alléchante, mais. Comment on va faire? Parce que les mecs, ils ont dit, ouais, c'est vrai, j'avoue, franchement, c'est vraiment l'offre. Allez, on a envie de rester. Mais. 4 ans dans ce pays. 4 ans, non. L'État revoyait franchement la durée du mariage là parce que c'est pas bon. 4 ans, le mec il va rester 4 ans, au bout de 2 ans il va vouloir partir, on va dire oh. Allez, tu régurgites tout ce que tu as mangé. Le contrat était de 4 ans. Donc franchement, le contrat était de 4 Allez, ans. Allez, on termine avec EDM, rapidement. EDM, on les adore EDM. Bien sûr, j'espère que vous avez la lumière chez vous, que vous êtes en train de nous regarder en ce moment ou nous écouter dans les bureaux d'EDM. Il y a de la lumière en ce moment, paraît-il. Tout va bien. Donc, Parc Panique, c'est vrai que débrayage pour tout le monde hier. Hein. Mmh. Allez, rentrez chez vous, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de courant. Vous avez vu comment l'homme est devenu dépendant aujourd'hui de ce courant de merde. Donc, mais tout va bien. Apparemment, les nouveaux moteurs de DM, bon, c'est des moteurs français. C'est des moteurs français en même temps fonctionnaires. Donc ils n'arrivent pas à s'adapter avec le climat local. Non. Donc voilà, dès qu'ils arrivent à Mayotte, le climat, voilà. Ah, ici c'est la merde. Donc ils n'arrivent pas, voilà. Donc c'est vrai. Parce que tu fais griller une ampoule chez toi, c'est tout le pays qui prend, ça c'est clair. Avec ces nouveaux moteurs. Donc du coup, vous allez voir. Mais bon, en tout cas, moi, mon coup de gueule ce matin, s'il vous plaît. Désormais, arrêtez de nous sortir à chaque fois ce terme de merde. Blackout. Mmh. Les noirs dehors, pourquoi les noirs dehors? Pourquoi les noirs dehors? C'est nous parce que c'est vrai que quand il n'y a pas de courant, on voit que des noirs dans le noir. Alors, maintenant, désormais, employez-nous le terme white in. Avec votre blackout là. Camar, on était bien avec EDM. Avec white. Oui, on était bien avec les médecins, on était bien avec Air Austral, on était bien avec le tourisme d'une manière générale. À cause de toi, Camar, et de ton satané blackout. À cause de toi. Cette fois-ci, et une fois de plus, c'est sûr, pardon, on est dans la merde.